Bienvenue à notre nouveau show. On va parler aujourd'hui de la situation générale de l'administration publique à Montréal et peut-être aussi au Québec, avec tous les rebondissements qu'on a eus ces derniers temps dans les journaux, à la radio, à la télévision. À Montréal particulièrement, on a l'impression que ça patauge à Montréal. À Québec aussi, avec les projets qui sont annoncés, qui tombent, ça s'annonce, ça tombe. Puis quand on présente un projet, on a l'impression que au début, on peut se le permettre. L'année d'après, il a doublé. Puis trois ans après, on n'a plus de scène. On n'est pas capable de se payer ce projet-là. On a juste à penser au tramway à Québec. Au début, ils nous ont parlé de 4 milliards, 6 milliards, 8 milliards. On était rendu à 12 pour finir. Alors, on va parler de cette réalité-là avec des gens qui connaissent la situation. Lino Zambito, qui n'a pas besoin de présentation. Hein? Non, on a été pas mal souvent dans les médias. Ouais, donc il connaît le secteur de l'administration, de la construction, de la relation de l'entreprise privée avec l'État. Un petit nouveau pour nous autres, puis je pense que j'ai trouvé bon, j'ai vu sur Internet, mais il faut pas que je dise Internet, ils m'ont dit qu'on disait plus Internet. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il s'agit de M. Nicolas Tétrault, que je vais appeler Nicolas maintenant, à partir de maintenant, parce qu'il va devenir éventuellement un de nos collaborateurs. Il est vraiment très bon, vous allez le voir. C'est un ancien politicien municipal, mais un ancien tout ce que vous voudrez. Au cours des prochaines semaines, on le découvrira. Alors, bonjour à vous aussi. Bonjour, Denis. Bon, on a décidé de se tutoyer. On va essayer de se discipliner. Première question à Lino. Tous ces rebondissements à Montréal, la mairesse Plante qui a mis un temps fou à dénoncer ça s'appelle l'Office municipal de consultation publique, une espèce de patente, on ne sait pas trop à quoi ça sert, qui a dépensé des sommes de fou, on voyageait, on se payait des bouffes astronomiques dans des restaurants haut de gamme. En plus de ça, sa seconde, la Mme Dominique Olivier, qui était la plus importante à l'Hôtel de Ville, était autrefois, elle, dans cet organisme-là. Puis elle devait présenter un nouveau budget avec une augmentation de taxes. Elle a démissionné parce qu'elle avait l'air folle. Elle a accepté de dépenser. Elle a elle-même dépensé. Alors, ça, c'est courant, c'est nouveau. Comment tu vois ça, là? Je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense que qu'est-ce qu'on a examiné il y a 10 ans via la commission Charbonneau, on a mis exactement la lumière sur cette façon de faire-là. Puis là, 12 ans plus tard, 10 ans, 12 ans plus tard, on se rend compte qu'il n'y a rien qui a changé. Ça ne change pas pantoute. Ça ne change pas du tout. Puis qu'est-ce que je trouve un peu malheureux, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. On fait semblant de mettre en place Montréal. On prend l'exemple de Montréal, l'inspecteur général. On a fait un bureau du BIC qu'on appelle pour surveiller. Mais il surveille quoi? Moi, là, je vois pas grand rapport. Ils sortent un rapport par mois, puis les fois que je les ai analysés, on regardait un dépassement de coût d'une toilette au parc La Fontaine quand la ville est en train de faire des travaux. La ville est éventrée, on fait des travaux partout, puis ça sent de la corruption puis des extras à pleine porte, mais on ne se met pas le nez dans les vraies choses. L'administration a dit on a le BIG, fait qu'ils se sentent blindés avec ça, le BIG qui est supposé d'enquêter, mais le BIG ne fait pas grand-chose. Puis l'UPAC qui est supposé de faire appliquer la loi, mais leur plus belle trouvaille dans la dernière année, c'est des faux vaccins vaccinales, des bulletins de vaccins. Fait qu'on a un problème. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu le temps où est-ce que tout le monde a mis l'emphase sur la corruption, tout le monde voulait faire le ménage. Là, c'est passé, puis le monde ne veut pas toucher à ça. On laisse aller, on fait de l'aveuglement volontaire, puis les choses sont en train de revenir comme ils étaient avant la commission. D'accord avec ça, Nicolas, parce que en étant autrefois élu municipal, tu as vu sur le terrain de quoi ça avait l'air, ça n'a pas changé d'un iota? Je pense que le problème est vraiment plus majeur qu'il en a l'air. C'est correct de parler de la micro-gestion, qu'on a payé trop de repas et tout, mais c'est de la poudre aux yeux. C'est comme si on focussait sur une bébite alors qu'il y a une guerre nucléaire qui a lieu en ce moment. La vraie problématique, c'est que la ville, la structure même de notre ville, elle est complètement inefficace. L'idée d'avoir 19 arrondissements, c'est noble en soi, de procurer plus de démocratie aux citoyens, une démocratie locale, vibrante. C'est des beaux vœux théoriques, des vœux pieux. La réalité, c'est qu'on regarde de façon non partisane la map de la ville de Montréal, vous allez voir que c'est un fromage suisse, avec des arrondissements défusionnés, des villes défusionnées. On perd des centaines de millions de dollars en duplication administrative entre les arrondissements. C'est de l'argent énorme qui aurait pu facilement bloquer toute hausse
du compte de taxes foncières et on ne peut plus vivre dans le passé. Le modèle de la Ville de Montréal qui est malheureusement répété d'un parti à l'autre, je ne mettrai pas de nom, parti A, B, C, D, E au fil du temps, c'est de faire du copier-coller avec une formule passée. Et toute la fiscalité de la Ville de Montréal, comme celle du gouvernement du Québec à l'époque, était basée sur une croissance de l'économie. Ah, c'est facile de dépenser davantage, c'est facile d'emprunter quand l'économie est en croissance. Quand l'économie est en déclin, comme en ce moment, ça ne fonctionne pas et ça explose de partout. La deuxième problématique majeure à Montréal, c'est qu'ils ont repoussé au calendrier grec, souvent pris le problème, l'ont mis en dessous du tapis, le problème du vieillissement des infrastructures. Ah. Pas facile de gérer une ville là, quand tu fais de moins 30 à plus 35, plus 40. Le delta T de 70, 75 degrés. J'ai vu qu'il y a des tuyaux qui datent de 1880. Ils sont enterrés, là. Il y a du monde qui n'a pas fait sa job pendant les années. Là. Normalement, il devrait y avoir un plan d'aménagement, d'entretien, puis à toi, 25-30 ans, on change le tuyau. Mais c'est pire que ça, parce qu'on cause des problèmes de santé majeurs chez nos enfants, chez tous les citoyens. À vouloir surcompenser pour, par exemple, des aqueducs. Si on coupe des aqueducs, vous avez sûrement déjà vu ça, je vous en amènerai un si j'avais le pouvoir d'aller en couper un. Vous verriez qu'il y a une couche épaisse de crasse, de cochonnerie à l'intérieur. Et pour compenser pour des tuyaux exécrablement en mauvaise condition, plein de détritus, on assène, on ajoute trop de fluor et de chlore dans l'eau. Donc, si vous faites un test de piscine, souvent avec l'eau municipale, vous allez voir qu'il y a plus de chlore dans l'eau que vous buvez, que vous donnez à vos enfants, à vos grands-parents, à vous-même, que l'eau de votre piscine. Alors ça, c'est des problèmes qu'on cache. Moi, je vais vous faire une confidence. Là. J'ai travaillé. Là. On a fait de la construction à Montréal un peu partout. Je ne bois jamais l'eau du robinet. Arrête jamais, donc. jamais. Pourquoi? Moi non plus. Parce que je n'ai pas aucune confiance. J'ai vu dans quoi que l'eau circulait à Montréal, des tuyaux d'amiante, des tuyaux. T'es en train de donner mal au cœur. Non, mais je vous le dis, moi, là, jamais, on m'offre. Je vais dans un restaurant, l'eau, un verre d'eau, jamais. Je vais prendre la bouteille, jamais je bois de l'eau. Même pas à la maison, jamais. Comme il l'a dit, c'est moi plein, c'est plein de produits, c'est plein. La maintenance n'a pas été faite pendant longtemps, puis là, on essaie de rattraper. Mais ça vient d'où, cette négligence-là? C'est parce que, sur moi, ça coûte cher, mais c'est l'électoralisme. Vous en allez en campagne électorale, je vais changer vos tuyaux d'aqueduc. Vous n'allez pas gagner une élection avec ça. Non, mais tu peux gagner des élections, tu dis, là, moi, je vais arrêter de faire des trous dans la ville, parce que hier, j'étais en ville, et j'allais dans le vieux. J'allais me stationner à un endroit, j'ai fait le tour. T'as pas le droit de tourner là, t'as pas le droit. Écoute, j'ai sacré pendant 10 minutes, je sais plus où j'allais. J'avais l'impression d'être dans un labyrinthe. Paver une rue là, pour des élections, c'est populaire. C'est noir, c'est beau. Nous, on disait, on avait un dicton. Une fois qu'on l'asphalte est là, le noir est là, le dessus est caché, on voit plus rien. Mais le dessous, il est pourri. On l'a pas mis l'argent pendant X nombre d'années à faire un programme d'entretien. Là, depuis 5-6 ans, on se réveille, on veut tout rénover, mais on ne rénove pas la Ville de Montréal qui a été négligée pendant 50-60 ans en 10 ans. Ça va prendre 30-40 ans. En finissant ces travaux-là, ceux qu'on a faits vont être à recommencer. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. Moi, être restaurateur, être commerçant au centre-ville de Montréal, je fermerais boutique puis je m'en irais en banlieue. C'est impossible. Ça a déjà été dur. Les autres ont eu la pandémie puis la rénovation de la rue Sainte-Catherine qui finit pas de finir. Vous apportez un bon point tantôt. Je vais revenir là-dessus parce que c'est essentiel. La fluidité de la circulation à Montréal, de vouloir intellectuellement appuyer coûte que coûte le transport en commun, c'est une idéologie qui n'est pas la mienne. Si les citoyens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. S'ils en veulent, ils en veulent. Mais on reviendra là-dessus. La problématique, c'est l'isolationnisme des arrondissements. Certains arrondissements sont réfractaires au voisinage, aux voisins, sont réfractaires aux gens qui viennent à Montréal travailler, apporter de l'argent, de la richesse, qui viennent dépenser les touristes. Montréal, le tourisme, c'est important pour l'équilibre entre les artères commerciales. En se comportant, en donnant le pouvoir aux arrondissements, un énorme pouvoir, ils se comportent comme des villageois. Donc, les accès nord-sud sont bloqués. Donc, c'est impossible. J'avais fait une vidéo qui avait plus que 100 000 vues. Je suis parti de Pierrefonds, ville de Montréal, pour aller au centre-ville pour mon père, pour une rencontre. Ça m'a pris 2h14. Mais ça n'a pas de sens. C'est la même ville. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas rien. Et tu veux aller tout droit? Non, il faut que tu tournes à droite. Non, tu peux même pas retourner à gauche. Il faut que tu retournes à droite. On viraille. Donc, le concept des arrondissements est à revoir. Ça coûte extrêmement cher. Puis, il y en a plusieurs dans les arrondissements centraux qui se foutent éperdument
des citoyens. Et pire, la circulation en voiture. On ferme, des fois, il y a des voies de deux voies, trois voies, puis on bloque une voie pour le transport en commun, mais il y a un autobus aux 30 minutes. Alors, tous les gens attendent comme des sardines dans une rue, sur une voie ou sur deux, puis la voie de droite est complètement bloquée. Pourquoi les citoyens qui attendent dans leur voiture, c'est des citoyens de seconde zone, puis on laisse des rues complètement bloquées pendant 15 ou 30 minutes, puis on crée un Capharnaüm. Mais ça, on a l'impression que la mairesse puis sa gang, ils sont anti-automobile. Ça, hier, justement, je suis dans le vieux, là. J'ai fini par me trouver un chemin, je me stationne. Puis il y a bien du trafic, tu sais, tu coupes le monde, je me stationne. Ah, je prends mon application. Vous n'avez pas le droit de vous stationner ici. Ben oui, mais il n'y a rien d'écrit. Puis là, j'ai zigonné, j'ai bloqué le trafic. Je m'en vais, je descends, je vais aller me stationner au Centre des sciences. 25$ pour une heure. Ah. 25$! Moi, je vais à Boston, à New York, à Toronto souvent, mais 25$ pour une heure, ils pensent à quoi? Je veux dire, c'est fou. Ils font tout pour sortir les automobiles du centre-ville, mais le problème, c'est qu'ils font mal aux commerciaux. Ouais. Les commerçants là, qui font vivre, c'est eux qui payent des taxes, c'est eux qui payent, même au niveau provincial, les TPS, TVQ, si les commerçants ne sont pas occupés et payent leur dû, mais c'est tout le monde qui est perdant. Mais ils ont une mentalité de vouloir que... pense que tout le monde va y aller en autobus puis en métro au centre-ville. Puis là, la STM, elle parle d'arrêter le métro à 11h le soir. Fait que... Mais tu sais, la fameuse... Moi, j'en ai rien à foutre du transport en commun. À la limite, qu'on ait un bon transport en commun pendant les périodes... Ça n'en prend rien à foutre si on n'a pas partout. Non, mais j'en ai rien à foutre en termes de priorité absolutiste commune. C'est comme un but théorique qui est rendu à un moment donné... pas légitime, qu'on s'occupe des périodes de pointe, c'est vraiment important la semaine pour le travail, la fluidité dans les heures de pointe, la fin de semaine pour le tourisme, les grands magasins, le commerce, comme il dit, c'est vraiment important. Mais de vouloir faire du Québec un endroit pro-vélo, moi je m'excuse, j'ai calculé l'année passée 5 mois et 3 semaines de neige, entre la première neige et la dernière pluie verglaçante. Mon exemple, j'ai 6 enfants. Pour tout le monde, aller faire du vélo dans la neige, dans la glace, aller faire, faire mon épicerie avec mes 6 enfants, transport en commun, mes 12 sacs, mes 8 pintes de lait, ça ne marche pas. Et on vit la base du Québec, du Canada, c'est de la liberté de nos choix. Et ce n'est pas en forçant les gens, en tentant de devancer coûte que coûte, en bloquant des rues, en bloquant l'accès, qu'on va faire du bien à Montréal. Le stationnement, c'est prohibitif. C'est hors de prix. Et quand on parle d'une philosophie anti-automobile, la fameuse patente à gosse dont tu parlais en entrée de jeu, là, l'Office municipal de consultation publique. Il faut que je le regarde, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. Ils étaient là pour consulter. Ils sont arrivés avec un rapport, un beau rapport bien épais, puis on dit à la mairesse Plante, vous vouliez fermer là, la Camillien-Houde, la route qu'il y a sur le Mont-Royal. On peut vous dire que la population n'est pas trop d'accord avec ça. Vous ne devriez pas fermer ça. 2 semaines après, le dépôt du rapport, ils annoncent qu'ils vont fermer la route, qu'il n'y en aura plus, on va trouver d'aller marcher sur le Mont-Royal, on ne pourra plus traverser. Donc, c'est de la philosophie. Même la gang qui se payait des grosses bouffes puis des voyages autour du monde, qui trouvait que ça n'avait pas d'allure de fermer Camillien-Houde, elle va le fermer pareil. Ah, mais c'est là que le monde, à un moment donné, ils viennent un peu, ils perdent confiance en tout ça. On engage du monde pour faire des études, des rapports, puis après, on fait le contraire. Puis là, on dirait qu'on les a maganés avec toute la question des dépenses. On essaye de tuer leur crédibilité. Mais encore aujourd'hui, ils sont en poste. Il n'y a pas personne qui fait le ménage. Tu sais, je veux bien y croire, là, la numéro 2 est partie parce que c'est un timing. Le budget s'en venait, fait qu'ils seraient fait un peu démolir en conférence de presse. Fait qu'ils ont choisi de la larguer. Mais les deux autres sont encore là puis ils tiennent à leur poste. À un moment donné, ça va prendre un capitaine dans le bateau puis dire « on le fait, le ménage ». Mais à date, moi, je vais vous dire, dans les 4-8 dernières années, là, un vrai capitaine qui veut faire le ménage, il n'y en a pas. Mais il y a notre culture, il y a une culture. On parlait tantôt de construction de projets. L'autoroute Ville-Marie, qui sont en train de… tu as l'autoroute Ville-Marie puis tu as l'autre bord, tu as le tunnel… Oui. Hippolyte-Lafontaine, puis il y a l'autoroute Bonaventure. En principe, c'est supposé être prêt en 2025 pour le tunnel, puis un petit peu plus tard pour l'autoroute Ville-Marie. Mais je connais quelqu'un qui me disait qu'ils n'y arriveront jamais parce qu'ils se vendent sur la place. Tu rentres dans la place, là, puis ils disent « on n'aura jamais fini en 2025 ». Puis ça fonctionne comme dans le temps du stade olympique. J'avais un cousin qui était là sur le site de construction du stade olympique, il disait que
Il y avait des camions qui remplis de béton. Ils rentraient sur le site, puis ils ressortaient tout aussi plein de béton. Il avait été enregistré, puis ils ressortaient, puis ils détournaient ça pour aller construire d'autres choses. C'est peut-être pas du détournement actuellement, mais c'est la même façon de raisonner. C'est-à-dire, on étire les choses, on fait des plaintes, on zigonne, et les travaux se font ralentis parce que, bon, ben, le syndicat pas content, il dit qu'il y a un problème de sécurité au travail. Ils vont être payés, ils arrêtent de travailler, puis dans leur raisonnement, ils veulent étirer ça de quelques années. Le problème, le premier problème, là, c'est que quand on part un projet d'envergure comme Louis H. Lafontaine, les politiciens, les ingénieurs et tout le monde, ils donnent pas leur juste à la population. Ils savent que c'est impossible de le faire en 3 ans. Mais on essaie de minimiser l'impact en disant les gens en 3 ans. Après 9 mois de travaux à Louis H. Lafontaine, là, comme si c'était on a trouvé de l'or. On pouvait pas prévoir qu'il y aurait eu de la contamination et tout ça. On est arrivé avec une facture de 900 millions de plus après 1 an de travaux. 900 millions. On en a parlé, je pense, l'équivalent de 2 semaines. Le Monde en a parlé, un extra qu'il a fallu donner au consortium de quasiment 1 milliard. Le Monde, ça a passé, on n'en parle plus. Mais donc, c'est une stratégie de présenter les choses. Absolument. Parce que c'est toujours le même. Toujours le même. Ça a été pareil. Il a fini combien de temps plus tard? Puis encore, il n'est pas fini dans l'ouest de l'île. Fait qu'on présente, s'il y a un agenda politique qui est hypocrite pour faire emballer le projet aux citoyens, là, le citoyen embarque. C'est comme le tramway à Québec. On dit que ça va être fait en 3 ans, mettons, mais c'est impossible. Mais parlons de tramway de Québec, là, comment il a fait pour passer de 4 à 6 à 8? Le dernier bout, là, c'était 12 milliards, ça n'a pas l'allure. Il y avait un consortium sur le projet. Donc, quand tu es tout seul, tu… Tu prends aucun risque. Puis c'est ça un peu notre problème. Si on ouvrirait un peu la compétition aux internationaux, ici, là, le syndicat veut pas, là. Puis moi, je suis pro-employé, je veux que les droits des employés soient respectés. Mais dans la construction ici, il n'y a pas un Ontarien qui peut venir travailler ici, là. Ça prend les cartes de compétences, ça prend ci, ça prend ça. Fait que, indirectement, les prix sont gonflés. Il faut à un moment donné ouvrir un peu la porte à la compétition pour que les gens ici se sentent un peu menacés puis qu'ils mettent les bons prix. Québec, là, c'est le tramway. Il y a eu un entrepreneur qui a soumis un prix. Entreprise Bon Conseil, c'est les seuls. Penses-tu qu'ils allaient le faire à 8 milliards? Mettre le gros prix, ils disent, on va se faire négocier au pire aller entre 12 et 8, on règle à 10, tout le monde est content. Le gouvernement a tiré la plaque dessus. Fait que c'est un peu l'hypocrisie de vendre des projets. Puis jamais, jamais, quand ils partent un projet, que ce soit le REM, que ce soit Louis H, que ce soit le tramway, ils savent que les budgets initiaux, c'est pas. Ils savent en partant que ça va coûter plus cher, puis ça va être plus long. C'est de l'hypocrisie. Pire que ça. Moi, mon ancien beau-père, c'est le président de la FTQ, Michel Arsenault. J'en connais des histoires. J'ai rencontré pas tous ici, j'ai 6 enfants. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas un monde facile. Je le dis souvent, comme Lino dit, Zambito, qu'il n'y a pas de concurrence. C'est comme si le Québec était un pays au sein du Canada, déjà dans les faits. Il n'y a pas de libre-échange interprovincial. Moi, je vous donne un exemple. J'avais fait une soumission dans un de mes immeubles pour un ascenseur. Mais à Toronto, la compagnie, le président est en ville. Dit, moi, je te fais ça 170 000 à l'époque. Au Québec, c'était 280 parce qu'il n'y a pas de concurrence au Québec. Donc, tout ce qui est fait dans le Québec est gangréné de l'intérieur. Tout est fait pour aider une petite équipe en place. Puis les gens, ils se rencontrent dans des cafés encore, puis ils négocient des contrats. Une des problématiques qu'on a aussi, c'est, outre la concurrence canadienne, c'est qu'on a de la difficulté à prendre des entrepreneurs étrangers. Et comment on fait pour avoir des bons prix? Pourquoi que tous les projets coûtent 2, 3, 4, 5, voire 10 fois le coût? Pourquoi ça prend le triple du temps qu'en Inde pour faire un pont ou en Chine? C'est-tu parce qu'ils sont tellement plus intelligents que nous? Tout est très compliqué au Québec. Pourtant, le pont Champlain, on a fait affaire avec des Espagnols. Ça a-tu été mieux que d'autres chantiers? Le pont d'Autoroute 30 a été fait avec des Espagnols, puis ça a été très, très bien. Le pont de 25, c'était un autre groupe. Donc, ça vaut la peine d'aller à l'étranger. Il faut, parce qu'on veut protéger l'intérieur, mais on les protège, mais on leur donne un chèque en blanc. Puis le problème, comme il disait, moi, je fais juste un parallèle. Là, les syndicats 1, trop de pouvoir. Puis, je n'ai pas peur de le dire, c'est des guidounes. Dans le moment, là, pour qu'est-ce qui se passe en santé, sont pro. Puis, je ne sais pas si je devrais aller sur ce terrain-là, mais je vais l'oser d'y aller.
Qu'est-ce qui s'est passé à TVA, LCN, qui ont mis combien d'employés dehors? Quand est-ce que vous avez vu la présidente de la FTQ ou quelqu'un aller défendre les travailleurs? Il n'y a pas personne qui a dit quoi que ce soit. Pourquoi? On a-tu peur de PKP? Même le représentant. C'est quand même des travailleurs qu'on a mis à la porte. Les gros noms, là, les animateurs. Les gros noms, tous les animateurs qui gagnent 300, 400, 500 000, il n'y en a pas un qui a perdu leur job. Là. C'est les petits monsieur là, qui ont des jeunes enfants à nourrir, des techniciens, des opérateurs de caméra, du monde comme tout le monde. Donc, c'est eux qu'on. Il est où le syndicat pour les défendre? Puis c'est la même chose dans la construction. Si c'est payant pour eux, puis leurs entrepreneurs font de l'argent, les employés, ils ont des kickbacks à droite pas à gauche, on brasse pas trop. Mais quand ça fait pas leur affaire, comme qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux, ça fait 50 ans qu'il y a le bordel dans les hôpitaux, puis on n'est pas capable de le régler, puis là, on tente un peu de shaker la machine, là, ça descend dans la rue. Mais là, pourtant, c'est pas si difficile à régler. Mais on ira peut-être aux solutions, mais je ne sais pas si tu as parlé de Guidoun. En quoi le syndicat, ce serait quoi son intérêt de ne pas défendre ses membres? Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait dans TVA-LCN? Pourquoi ils ne sont pas… Je ne sais pas, j'ai regardé tout le monde en parle, j'ai vu l'avocat, je trouve un mou un peu, mais tu vois… Mais ils ont peur de PKP? Il était assez mou, puis le lendemain, il était supposé de rencontrer PKP, puis PKP a tiré la plaque, il dit « je ne veux pas te voir ». La meilleure chose qui est arrivée à PKP, puis moi, regarde, j'ai pas peur de le dire, là. C'est que les Alouettes s'en vont en finale de la Coupe Grey. Là, il passe pour un dieu au Québec. Il a ramassé une équipe au fond bas, puis là, il s'en va à la Coupe Grey. Tout le monde parle, c'est un héros. Ouais. Mais on parle pas du fait qu'on a mis tant d'employés, 400, 500 employés à la porte, là. Mais les gros noms, ils ont tous gardé leur salaire. J'ai pas peur de le dire, les Paul Larocque, les Luc Lavoie, qui, tu sais, quant à moi, sont un peu dépassés. Mais tu penses qu'il aurait dû dénoncer ça? Mais le syndicat, c'est de défendre les employés, les droits des employés. Moi, je te dis, j'aurais été là, c'est pas sûr que j'aurais dénoncé ça, c'est le gars qui te paye, qui te donne ta paye, mais je pas sûr que j'aurais été le défendre non plus. La parce FTQ que quand j'ai vu mon chum Pierre Bruneau aller monter aux barricades pour défendre ça, je dis, qu'est-ce que tu fais là, Pierre? J'aurais pas fait ça. En t'avoir ta paye pour gagner ta vie puis aller défendre la décision du boss. Les employés, je suis d'accord, mais la FTQ, elle a quoi à voir? Elle peut protéger. La FTQ, la présidente de la FTQ ou de la CSN, ceux qui sont alliés, ces syndicats-là, les avez-vous vus se manifester? Que la compagnie prenne une. Tu sais, c'est ses droits de prendre une autre direction pour rendre ce TVA rentable et quoi que ce soit. Il aurait pu prendre aussi. Mais le syndicat, là, la FTQ, là, qui ont des membres, ils n'ont rien fait. C'est quoi qui les empêche, là? Tu sais, Picard, Madame Picard, là, est tout le temps dans la télévision, puis en bas de 21%, en bas de qu'est-ce que la SQ, on réglera pas, elle fait sa ferme. Elle n'a pas dit un mot de travers contre qu'est-ce qui s'est passé à TVA. Fait que quand tu regardes ça froidement, tu te dis, c'est quoi le deal derrière? C'est quoi qui se passe? Pourquoi? Mais ce serait quoi ton hypothèse? Pardon? Ce serait quoi ton hypothèse? Ils ont peur de lui. C'est aussi simple ils ont peur de Pierre Carr? Pourquoi ils ne défendent pas le simple travail? Mais peur de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne sais pas. Couper le job, c'est à eux à leur poser la question. C'est quoi? Ils ont peur, vu le groupe, le Journal de Montréal, la télévision, le pouvoir médiatique qu'il y a, je ne sais pas. Mais pourquoi ils ne défendent pas le simple travailleur? Pourquoi? Puis c'est la même chose dans la construction. Tu sais, il l'a dit, dans le système de santé, ils ont été longtemps abusés, les employés, les infirmières pendant la COVID et tout ça. Ils ont énormément souffert. Puis qu'ils soient aujourd'hui rémunérés à leur juste valeur, je suis à 100% d'accord. Mais la construction, là, c'est malheureux, mais quelqu'un là, qui n'a aucune scolarité, puis je n'ai rien contre ceux qui n'ont pas d'école, là, ça prend toutes sortes de monde faire un monde, qui s'est rendu que ça gagne 25, 26, 27 piastres de l'heure, puis en haut de 40 heures, le temps est mis payé, il y a des limites. Il faut, à un moment donné, payer selon nos moyens. Non, mais il n'y en a plus de limites. Mais c'est là que je dis, si on a un problème. Moi, cet été, j'avais un chantier chez nous là, pour une piscine. Ça a été trois fois plus long que ça devait être. Ça devait être livré à Saint-Jean-Baptiste. J'ai eu à faire du travail, ça te donne une idée. Puis tout le monde paye un peu plus cher. Puis t'appelles, t'as pas une réponse tout de suite parce que, tu sais, tu vas avoir un plombier, là, mettons. Essaye d'avoir un plombier, là, ça déborde chez vous, là. C'est compliqué. C'est bien compliqué. Puis il peut venir une fois. Puis dans mon cas, il est venu une fois, il a réparé s'il était en train de pisser, là. Puis, revenons deux mois après, puis essaye de le rejoindre, c'est à peu près impossible. Mais il y a toutes sortes de barrières au Québec qu'on doit repenser, comme la Commission de la construction du Québec. Toutes ces barrières à l'entrée, on surcomplexifie tout. C'est comme si on c'était les 12 travaux d'Astérix.
Pourquoi il y a tellement de travail au noir? Parce que les gens ne veulent plus travailler dans la CCQ. Mon père, le premier, avait une compagnie de briques, de maçonnerie, fait ça longtemps avec la CCQ. Il les a envoyés promener, s'est tout le temps fait payer cash par la suite. Il n'a jamais aussi bien gagné sa vie. La CCQ, c'est comme une gangrène. On a créé toutes sortes de monstres au Québec, Denis et Lino, pour surcomplexifier les choses. Tantôt, vous parliez de contrats, mais les barrières à l'entrée, c'est compliqué. On veut des contrats au gouvernement, au ministère des Transports, à la Ville de Montréal. Les garanties financières qu'on doit donner pour obtenir ces contrats-là sont bien trop grandes et beaucoup, les PME, les gens qui seraient capables de faire un bon travail à un tarif défiant toute compétition, ils sont bloqués à l'entrée par ces espèces de règles où, pour appliquer, il faut mettre tant de millions de côté, tant de garanties. Ça ne marche pas. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et tout le système est à revoir. Qu'on laisse rentrer les travailleurs de la construction des autres provinces, puis qu'on laisse les Québécois aller travailler dans d'autres provinces. Si on est un pays, on est un pays. Je veux dire, là, on surpaye tout pour favoriser un petit groupe et ça ne changera jamais. Même chose avec le Collège des médecins. Tout est difficile au Québec. C'est vrai, ça c'est vrai. J'ai fait des entrevues avec des gens qui auraient été manifestement très compétents ici au Québec. Ouais. Ils venaient d'ailleurs, puis le Collège des médecins, il ne veut rien savoir. Puis c'est du nivellement par le bas avec le Collège des médecins. C'est protectionnisme. Moi, je vais dire… Mal placé. J'ai 54 ans. Mon rêve, c'est de sacrifier, d'investir 5 ans de ma vie dans le public. Ah, tu voudrais faire de la politique? Pas de la politique. Pas de la politique. Non. Moi, là… Mon rêve, c'est de prendre des gens qui ont été mêlés de proche ou de loin dans la construction des années, qui connaissent le système, où je suis prêt là, à aller aider à la Ville de Montréal sans salaire pendant 4 ans. Puis je veux juste être en mesure de détecter, de conseiller, puis dire où aller fouiller. Je veux pas de salaire, je veux pas de pouvoir quelconque, je veux un pouvoir de donner des rapports et d'attitude. On va le faire, le ménage de cette Parce façon. Parce que tu comprends la game. J'ai comprends, puis je vais te donner la plus mais belle… Mais ça, ils doivent la comprendre, la game aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas la volonté d'arrêter. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent même pas. Moi, je peux te dire, là, pendant les années 2012, 13, 14, tu sais combien d'enquêteurs de l'UPAC j'ai rencontrés, puis des fonctionnaires de la ville qui ne savaient pas c'était quoi la collusion? C'est moi qui expliquais. Ah ouais. Puis eux devaient aller enquêter après. Fait qu'on part dessus de loin. Fait que va donc chercher un peu comme les Américains font quand ils ont un problème des hackers à la NASA. Ils vont prendre les hackers, les mettre dedans, ils les encadrent puis nettoient. Mais ici, on a trop peur de faire ça. Ah oui, j'ai déjà eu comme invité, moi, un blanchisseur d'argent. En fait, c'est un faux monnayeur. Il faisait de la fausse monnaie. C'est un gars de Trois-Rivières. Il avait fait pour des centaines de millions de dollars de fausse monnaie. Puis il était top-notch, tu sais, les faux dollars américains. Il était arrêté par le FBI, puis… Il a conseillé le FBI sur comment arrêter les gens qui faisaient de la fausse monnaie. Effectivement, ça se fait de même. Je vais aller plus loin. Je n'aimerais pas de nom parce que la personne est encore à la tête de la ville. Alors, on la salue. Dans l'est du Québec, j'ai reçu un appel l'an passé. Lino, j'ai un problème. Première citoyenne de sa ville. Lino, j'ai un problème. Mes contrats de déneigement sont 40-50% plus chers que nos budgets. On a 6 secteurs. Jusqu'à quand 7 ans, 4. Donne-les à tes travaux publics. Tu vas acheter la paix avec tes syndicats. Ils vont travailler l'hiver. L'hiver, ce n'est pas régi par la CCQ. Tu as le droit de le déneigement, c'est fait. Achète la paix, négocie avec eux, équipe-toi. Tu vas voir que les deux autres, mets-les pour un an. Octroie le contrat que pour un an. Prends l'option d'un an. L'année d'après, tu vas voir tes prix vont baisser. Il a raison, à 100%. C'est ça qu'elle a fait. Elle a été vue comme une dieu dans sa ville. Puis j'ai dit merci. Elle m'a appelé, elle a dit, Lino, j'en viens pas. Je dis, gars, c'est ça que ça prend. Ça prend un peu de guts, puis les mettre au défi, les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, ils n'aiment pas ça, aller se faire fouiller dans leurs affaires. Mais tu sais, ils jouent au gros matador, mais quand tu es mal à leur place, ils vont prendre leur regard. Oh, elle est sérieuse, là. Mais Nicolas, et toi, au niveau municipal, y a-t-il moyen de faire ça dans des grosses villes comme Montréal? C'est une petite ville, je comprends, Absolument. Puis j'en avais parlé à mon ancien père, beau-père, Michel Arsenault. C'est les employés de la ville qui devraient faire le déneigement et tout. C'est rendu qu'à Montréal, s'il tombe trop de neige, le budget de la ville est déséquilibré. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais il y a tellement de choses que comme ça qu'on peut faire. Il faut être novateur. Mais un des problèmes, et c'est un mot qui paraît mal, mais il faut voir le système politique québécois
municipal, c'est la même chose qu'au provincial, qu'au fédéral, c'est le système parlementaire britannique. La problématique, c'est que c'est comme une armée. Vous avez la mairesse qui dicte les ordres à son parti. C'est pyramidal. D'en haut vient l'influence. Donc, il faut redonner du pouvoir aux élus localement pour qu'ils puissent prendre des décisions localement. Et en ce moment, ils ont tellement rendu ça compliqué, même pour les élus. Le problème, c'est que les élus, Denis et Lino, prennent le blâme pour tout. Moi, je vous dirais 80 % de la corruption vient des fonctionnaires, 20 % des élus. Les fonctionnaires sont là, ils savent qu'un mandat, deux mandats, peut-être trois, ils vont être pognés avec quelqu'un. Mais à la fin, tous les systèmes sont en place. Quand moi, j'étais à la ville, avant la commission Charbonneau, j'ai eu plein de menaces de mort, tellement que les services secrets m'ont protégé. Le SRS, ah ouais? Daniel Fortin. Oui, je suis allé me cacher 2 ans aux îles Caïmans, une île britannique pour avoir la paix. Des vraies menaises de mort. Ben oui. Mais la collusion, c'est incroyable à Montréal. La devise des fonctionnaires, c'est quoi? Dites-moi. Les politiciens passent, ouais. Nous, on reste. Ouais, 100 % Fait qu'à partir du moment, là, tu sais, moi, là, je vous le dis, j'avais beaucoup d'espoir à Legault, le premier ministre Legault, quand ils ont pris le pouvoir. Moi, là, je m'ai dit, j'espère qu'à un moment donné, là, ils vont être assez réalistes. Tous les grands mandarins de l'État qui étaient sur le règne à Charest, on arrive, on leur fait des chèques, ils vous en pensions. Ça coûte 40, 50 millions. On s'en débarrasse. Sortez du système. Je suis d'accord avec vous. Oui, ça coûte 40, mais on va en sauver 200 millions l'an prochain, ces travaux. Et plus. Mais ils n'ont pas eu... La Savoie qui a fait... La Savoie, Dominique Savoie qui a fait la pluie et le beau temps dans le ministère des Transports. Annie Trudel n'a parlé. On l'a amené à la santé pendant la pandémie. C'était l'adieu. Là, on l'a renommé en haut, le boss des fonctionnaires. Duchesneau en a parlé, tout le monde en a parlé. Pourquoi on la protège? Pourquoi on ne les met pas à la porte? On les crisse dehors à coups de pied dans le cul, ces mandarins-là, puis c'est eux qui foutent le bordel. Nicolas, pourquoi qu'on le fait pas? Je sais pas, parce que c'est tout collusionnaire au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas juste voir le côté municipal, il faut voir le côté québécois. Ben là, il est en train de nous parler partout. Du grand boss du Québec, c'est la grande patronne. Mais c'est exactement ça, le Québec est collusionnaire par nature. Qu'est-ce que fait le premier ministre quand il arrive au pouvoir? Puis même à Ottawa, c'est la même chose. À Ottawa, il a changé le patron des services secrets, il a changé le patron de la GRC. Au Québec, on a nommé un nouveau patron à Ville de Montréal, la police, nouveau patron de la Sûreté du Québec, nouveau patron de l'UPAC. Un chum, c'est un chum. Pensez-vous, ouais, on a entendu ça comme faux. Hein? Non, mais pensez-vous, ils font tout ça. Et la corruption aujourd'hui au Québec, elle est très, très intelligente. C'est plus comme à l'époque, l'argent des enveloppes, c'est des fiducies familiales à l'étranger. La plus grande partie de la corruption, ça se fait à l'étranger, loin de Justice Canada, loin des yeux de l'UPAC, loin de tout ça. Les gens sont intelligents, c'est facile d'incorporer des entreprises dans des paradis fiscaux, de céder les actions à une nouvelle fiducie. Tout se fait à l'étranger. Ça se fait dans les dépassements de coûts, dans les compagnies de construction aussi. Moi, je suis certain que pendant les contrats de la... Je ferais parier 1 million qu'il y a eu de la corruption de données au gouvernement du Québec puis au gouvernement fédéral dans les contrats octroyés pour le coronavirus, même pour les travaux publics. Tous ces contrats sans appel d'offres, il y a des gens qui se sont enrichis. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'appel d'offres, 0-0. Quand tu gères par décret, là, oublie ça. Exactement. Il s'est fait en 2 ans plus de corruption en santé qu'il n'a eu pendant 10 ans dans le règne des libéraux. Il ne faut pas être dupe. Mais c'est là que je te dis qu'on a un problème. Tu sais, là, il y en a une qui fait une émission dans une radio populaire, là, un ex-vice-première ministre qui pète les bretelles puis qui fait la morale, la leçon à tout le monde. Puis il dit, oui, mais tu n'as pas été acquitté. Tu as été disqualifié par Jordan parce que l'ancien bandit de l'UPAC, Lafrenière, là, il s'est attaché les ficelles puis il a tout fait péter. Ils n'ont pas eu de procès. Il y en a un autre qui a osé se présenter à chefferie du Parti conservateur. Il faut arrêter de prendre le peuple pour des imbéciles. Exact. Faut arrêter de prendre le peuple pour des imbéciles. Moi et lui, vous savez comment on a un grand cœur, moi et Lino. Moi, je pourrais mettre $10 000 de mon argent, toi aussi, je vais le prendre de ton compte. On va mettre 20 000 sur la table. On va demander au premier ministre du Québec ou du Canada qu'en échange du 20 000, qu'il aille faire un test de polygraphe. On va leur poser des questions clairement. Est-ce que vous avez déjà pris la corruption, l'argent de la corruption, des kickbacks ou des ristournes d'argent sur différents projets depuis que vous êtes au pouvoir? Oui ou non? Puis s'ils acceptent d'y aller, je vais donner le 20 000, puis je suis sûr qu'ils vont...
J'ai une bonne idée résultat. Puis si jamais ils passent le test, on donnera une œuvre de charité, le camp ou quelque chose. Parce que là, on est parti du municipal. Non, mais c'est tout interrelié. Mais c'est tout interrelié. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est interrelié. Le Québec, c'est tous quelques coups de fil de 4, 5, 10, 15 familles qui font l'appui puis le beau temps. Ben, ça, c'est politique fonctionnaire. Les riches, on a quelques milliardaires maintenant. Est-ce qu'ils emmènent large au Québec ou pas? Bien, ils font leur affaire. Mais c'est moins pas qu'aux États-Unis, où ils sont omniprésents, ils financent les campagnes électorales, etc. Ou... Oui, la mœurs des financements de campagnes électorales a changé. Est-ce que ça, au moins, on a gagné? Je ne suis pas convaincu à 100%. Même pas? Parce que, tu sais, les prêtres, non, c'est le système qu'on avait vu, c'est même pas mieux que c'était ça. Bien, moi, je pense que oui, on a mis ça à 100 $ ça prend ça, plus c'est d'argent. La plus mais la campagne, mais je suis d'accord avec toi, moi, j'ai tout le temps été de l'autre compte, l'avis contraire. Laissez au lieu de donner 1 000 $ laissez les compagnies donner 10 000 au moins, on va avoir les noms. On va donner 10 000, 50 000, 100 000, on va le savoir, c'est qui. Ouais. Les campagnes électorales on coûtent de plus en plus. On fait le jeu de la corruption en ce moment. Les campagnes coûtent de plus en plus cher. Ce n'est pas à coup de 100 piastres qu'on va les payer. Oui, le gouvernement donne tant de par voteur, mais tout ce qui se paye en cash, les panneaux, les ci, les pancartes, les bénévoles, non, coûte cher. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. Puis moi, qu'est-ce qui me désole dans tout ça? C'est un peu le peuple québécois, les gens du Québec, on est trop passifs. C'est vrai que comme dans notre culture, on n'aime pas ça, le choc des idées, on a de la chiale, misère. Mais après, une semaine après, si le Canadien en colle 2 victoires de plomb, on est passé à... Mais c'est malheureux. Ah, mais c'est sûr. Puis, en France, là, quand il y a des affaires de même, ça descend. Il y a eu la grève des vidanges, là, ça a duré un mois et demi. Là, la France, il y en a peut-être trop, parce que toute fois que je vois là, il y a une grève de quelque chose, puis c'est bien étonnant. Ça prend juste un juste milieu que les gens se fassent respecter leurs droits. En bout de ligne, c'est qui paye? C'est nous, les citoyens. C'est nous, les imbéciles, qui payent toute cette corruption-là. Et c'est un bon point. Et pour revenir à la ville, parce que c'était la thématique de la journée, la capacité de payer des citoyens n'est plus là. Ça ne marche pas. C'est une inflation qui est bien au-delà des 8 % que le gouvernement du Canada utilise avec Statistique Canada. Tout le monde sait que c'est 15, 20 % entre ça, entre la TPS qui devait être temporaire et qu'on est rendu avec une taxe de vente permanente, avec un taux de taxation au Québec qui peut aller jusqu'à 53 %. Je veux dire, on ne s'en sort pas 15 %. Les taxes de mutation, les taxes de bienvenue, ça devait être temporaire, sont encore là pour financer les opérations du Stade olympique. Je veux dire, on n'arrête pas. Les gens ne sont plus capables de payer. C'est de l'argent imposé. On paie de l'impôt sur de l'argent qui est déjà imposé. Il reste quoi aux citoyens? C'est vrai qu'on paye de l'impôt. On en paye de l'impôt. Et tu parlais tantôt de M. Legault. Tu dis, bon, ben, je pensais que ça allait s'améliorer, là. Tu le vois comment en bout de course? Parce que, tu sais, tout ça, là, la ville, le municipal, Legault, le provincial, puis tout ça, c'est quand même le boss de tout ça. Oui, mais quand il était en opposition, il déchirait sa chemise à tous les jours à l'opposition. Là, la corruption, Éric Kerr et compagnie, là, ça mettait le feu dans l'Assemblée nationale. Ils ont fait quoi? Rien. Ils ont pris le pouvoir. Ils se font mener par les mandarins de l'État. Faut pas aller là. Faut pas toucher ça. Le monde ne veut plus de l'entendre. Sonia Lebel était procureure à la commission Charbonneau. Ben oui, c'est vrai. Elle a fait quoi? Ouais. Zéro plus une barre au point de vue de la corruption. Quand un journaliste y en parle, « Ah, c'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui est au ministère de la Sécurité publique. » L'UPAC, tout le coulage qui a sauvé le cul à Charest, à Normando et compagnie, ça fait 3 ans qu'il y a une enquête. On est supposé de savoir d'où que ça vient. Ça a coûté je ne sais pas combien de millions. On n'a pas l'ombre d'une décision ou d'une accusation qui va se porter. Ils sont fiers. Ils ont un budget de 40 millions par année. On trouve des faux vaccins, rapports vaccinaux, puis ils sont tout fiers. Là. Mais quand même, moi, je te dirais que M. Legault a surfé sur la COVID, tu sais. Et aujourd'hui, il est en train de déchanter un peu parce qu'il regarde ses sondages. Il est constamment en train de reculer. Il a reculé à Québec, le troisième lien, mais je dis peut-être que c'est une bonne idée. Puis bon. Et je pense que pendant la pandémie, il était trop paternaliste. Moi, il nous parlait comme des petits-enfants. J'avais de la misère. À chaque soir, quand je faisais mes émissions, je disais, il ne pourrait pas nous parler comme du monde. Mais ça marchait. C'était comme s'il passe-partout nous parlait. Là, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et il nous a infantilisés socialement. Puis ça a marché parce que son taux de satisfaction était fort. Arrive le deuxième mandat,
Il parle de même, il n'y a plus de COVID. Alors, peux-tu nous parler comme un adulte? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce là? Que face à la COVID, c'est un événement où est-ce qu'on n'a jamais fait face. Personne, le monde entier avait c'est ça, tout le monde était dépassé. Tout le monde était un peu dépassé, tout le monde paniquait. Donc, ce ton-là, il faisait, mais… Lui, il faisait, puis il disait les bonnes choses, le monde. Mais ça a duré un bout de temps, le deuxième confinement. Il faisait juste que plus que dire les mêmes choses. Il nous le disait comme s'il était papa, puis nous autres, on était enfants. Je suis d'accord, mais le premier confinement, tout le monde a embarqué. Le deuxième, tu voyais déjà que ça commençait à kicker. Le troisième, c'était trop. Puis là, les alarmes, le 24 ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Non. Le monde, à un moment donné, tu peux les remplir jusqu'à un bout de temps. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ils promettent des affaires, puis là, ouais, on s'est trompé. Mais non, tu peux pas tout le temps te tromper, là. Tu es là pour gérer, pour mener, pour régler des problèmes. On peut pas tout le temps se promener. Puis là, c'est ça qui les rattrape. Nicolas? C'est quoi la question? La question, c'est, on parle de M. Legault puis de la CAQ. Legault et la CAQ, là, tu les vois comment? Moi, je vois que c'est une... Moi, je les ai appuyés pendant deux ou trois élections comme un peu un homme d'affaires. Je me disais, enfin, on va avoir un petit ménage au Québec, on va avoir une pause sur la surtaxation, l'imposition. Il va au moins essayer d'aider les PME du Québec. Et c'est pas facile d'être en affaires au Québec, ça coûte très cher. Puis c'est pas tout le monde qui sont des fonctionnaires, c'est pas tout le monde qui sont capables, qui sont chanceux d'avoir des emplois à vie. Un autre concept qui devrait être évolu, selon moi. C'est pas normal qu'on engage des fonctionnaires puis qu'ils aient une job à vie. Quand ils sont jusqu'à temps qu'ils soient compétents, ils sont compétents. Quand ils sont plus compétents, dehors. Donc, moi, je pense que M. Legault, pour moi, j'ai aucune confiance en ce gouvernement-là. J'ai une préconception qui est c'est un gouvernement corrompu, collusionnaire, qui ont mis les règles de côté quand ils voulaient. C'est un gouvernement dont le chef de cabinet, je le connais. J'ai fait 4 élections. Martin Koskinen, que je connais depuis très longtemps, c'est lui qui prend les décisions pour François. Avec François, il est extrêmement intelligent. Mais ce que je n'aime pas, cette espèce de collusion avec l'élite mondiale. Et ce n'est pas une théorie du complot. Là. Je vais dans des formations de contre-terrorisme avec des services secrets. D'ailleurs, tu pars à Dubaï tantôt. Oui, mais je pars à Dubaï, mais j'ai fait des formations avec le Mossad en Israël. Je parle hébreu, la langue d'Israël, avec la CIA. Ce que je peux vous dire, quand tu vois le cabinet McKinsey qui arrive à Québec, McKinsey, faites vos propres recherches. Croyez-moi, croyez-moi pas, ça m'importe peu. McKinsey, c'est une filiale du secteur privé des services secrets américains, notamment la CIA, mais la DIA aussi, la Defense Intelligence Agency. Ce que la CIA et les agences publiques de sécurité nationale ne peuvent pas faire publiquement, ils le font via le truchement du lobbying avec McKinsey. Et lobbying, ça ouvre des deals à tout. Je vous donne un exemple. Que M. Legault soit prêt à vendre l'électricité du Québec, qui n'appartient pas à M. Legault ni à la CAQ. Hein? Il y a que, je pense, 26 ou 28 % des électeurs inscrits sur la liste électorale qui ont voté pour la CAQ, mais pourtant, ils se ramassent avec une majorité débile. Le système parlementaire britannique ne fonctionne pas. Alors que moi, je suis pas d'accord avec toi. Ben, je vous reviens après. Juste pour finir là-dessus, pourquoi on vendrait notre électricité, Denis et Lino, à rabais à New York, alors qu'on peut la vendre à plein prix? Déjà, à plein prix, nous sommes à rabais. Donc, c'est quoi le deal qui est fomenté dans le cabinet du premier ministre? 418-643-5321, si vous l'appelez au bureau du premier ministre, entre McKinsey et tu l'appelles souvent, c'est son numéro? Non, mais je connais très bien la politique québécoise. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que à cause du fait qu'on n'a pas la proportionnelle, on est moins représentatif. En Israël, tu connais le pays, ils sont très représentatifs. C'est les extrêmes qui mènent, ça ne nous avance pas bien. Oui, je suis d'accord. Il n'est pas parfait, le britannique, mais les extrêmes en mènent pas mal moins. Mais le problème du système parlementaire britannique, c'est quand on a un gouvernement corrompu, hein, comme Trudeau puis Legault en apparence, les deux semblent vraiment corrompus en apparence, il n'y a aucun... Ça, en apparence, parce que sur le fond, on ne le sait pas. Non, qu'il fasse... OK, pas de problème, j'ai mis 20 000 sur la table, de ton argent, 10 000, dis-moi, qu'il fasse un test de polygraphe pour la population... Pour voir si on prit de l'argent de la corruption directement ou indirectement, et sinon, on va leur donner une œuvre de charité. Lino, tu crois qu'ils sont corrompus? Ou... Ben, parce que corrompu, c'est un mot qui veut dire, tu sais, corrompu, ça veut dire que initialement, c'était tu prends de l'argent, mais ça en tes poches. Bien, corrompu, oui, comme tu dis, tu prends de l'argent, tu mets. Mais est-ce que les politiciens font ça encore aujourd'hui, prendre de l'argent, se mettre ça dans les poches? Quelqu'un qui fait rien pour combattre la corruption, puis laisse aller. Qui sait, pour être réélu, tu veux dire? Oui. Okay. Moi, je pense que tu as les deux mains dedans. Parce que si tu vas au pouvoir, tu prends le pouvoir pour servir la population puis l'intérêt du citoyen, il faut que tu fasses le même. Hey, écoute, on va terminer parce que tu as un avion à prendre. Il s'en va à Dubaï. C'est quoi les perspectives d'avenir? Parlons de Montréal. On a parlé du Québec, de Montréal. Parlons de Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Madame Plante, là, moi, je ne comprends pas.
Comment ça fait qu'elle n'est pas plus critiquée que ça? Ça, j'ai de la difficulté à comprendre parce qu'on rit d'elle au bye-bye, on rit de son ha-ha-ha-ha. Mais au-delà de ça, le fait que c'est mou son affaire, il y a plein de contradictions, puis tout ça, on n'en parle pas tant que ça par rapport à d'autres administrations. Alors donc, c'est quoi l'avenir là, pour Montréal? Bien, Montréal, il faut faire un ménage, pas compliqué. Il faut éliminer les arrondissements. Il faut que Montréal se concentre uniquement sur les services à la population et tout le gras, tout ce qui est pas essentiel aux services à la population, qu'on mette ça de côté. On n'est plus en période de croissance, on n'a plus la capacité de faire un peu de n'importe quoi. Le social, le communautaire, non. On doit s'occuper des vrais services et les mener à terme et réduire les dédoublements, les triplements de structures administratives qui ne fonctionnent pas. Et c'est seulement comme ça, si on a une ville qui est facile à diriger. Il faut prendre une décision aussi, Denis. Les villes défusionnées à Montréal, vous regardez la map, c'est un fromage suisse. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Tu sais, vous savez, la réalité, c'est que Montréal, là, théoriquement, le Québec, la ville de Laval, ça devrait être Montréal. Longueuil devrait être Montréal. Et la seule raison que le gouvernement du Québec n'a pas fusionné Laval et Longueuil en une seule ville, la ville de Montréal, pourquoi? C'est qu'ils ne veulent pas d'une superstructure très, très puissante, d'une méga-ville, parce que le Grand Montréal, c'est 4,6 millions d'habitants. Si on fusionnait tout ça en une ville, le Grand Montréal, on serait plus grand que Toronto, mais il faudrait une structure efficace, il faut des lois anticorruption efficaces. Le gouvernement du Québec central, à l'Assemblée nationale, ne veulent pas d'une ville très, très forte. Oui, c'est ça, ils veulent leur pouvoir. Il y a comme un contrepoids qu'ils ne veulent pas. Moi, je vais souvent à Toronto, puis je veux dire qu'on aurait des raisons de se sentir complexé par rapport à Toronto. Moi, quand j'étais jeune, je disais, Toronto, c'est plate. Vous aussi. D'abord, il y a des bonnes tables, il y a des belles places, il s'est aménagé, c'est tellement mieux. Des cônes oranges, mais pas mal moins qu'ici. Je veux dire, ils ont réussi sur certains aspects. Remarque que pour l'itinérance, la dernière fois que je suis allé, ils sont en train de la laisser échapper. C'est un problème facile à régler aussi? Non, c'est vrai. Lino, ce serait quoi là, pour l'avenir d'après toi? Le problème, là, que ce soit en plan, que ce soit M. Legault, ils n'ont pas d'opposition efficace. Mais ben ça, là, tu soulèves un point. Montréal, c'est vrai. Elle n'a pas d'opposition. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Mais sauf que là, le citoyen, avec l'affaire des pots de vin, les bouteilles de vin, ça choque. Le monsieur qui n'est plus capable de payer son hypothèque parce que les taux ont augmenté, là, on va le toucher dans sa poche. Puis ça, ça le frustre. Puis c'est pas la plus grosse corruption, là, 4 bouteilles de vin. Là. Mais ça, ça vient le chercher parce c'est que l'incarnation. Lui, ça lui fait mal à lui. Puis c'est là que c'est le début de la fin. Moi, je pense que ses dernières années de mandat, elle va manger de la boîte pas à peu près. Ah ouais? Elle va rire. Mais qui a, dans l'opposition, j'entendais De Souza là, qui parlait. Puis, mais De Souza, il était à Saint-Laurent les plus belles années de la corruption. Mais si c'est ça, l'opposition n'ira pas loin avec ça. Non, mais je parle, là, l'opposition va venir du citoyen. Ah. C'est le citoyen qui est frustré. Pour Québec, c'est pareil. Là, on a les employés des hôpitaux qui sont dans la rue, tu as les enseignants. Eux, quand eux sont frustrés, c'est eux qui vont faire opposition au gouvernement. Là, ils vont perdre la popularité. C'est là que ça va leur faire mal. Parce que même à Québec, oui, le PQ monte un peu, mais ce n'est pas avec 4 députés qui vont renverser la vapeur. Le Parti libéral, il n'y a pas personne qui veut aller à la chefferie. Fait que c'est pas eux. QS sont à perte de vitesse, puis c'est eux qui aident plante à Montréal, puis on voit qu'à perte du terrain. Fait que ils n'ont pas d'opposition. Mais l'opposition vient de la population. Puis quand la population décide de se prendre en main, nos élus sont mieux de faire attention puis d'attacher leur truc parce qu'aux prochaines élections, ils vont manger une volée. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils dans le système parlementaire britannique pour forcer le déclenchement d'une élection. Oui, mais ça, il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Ouais. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on doit tout revoir. Le fonctionnement du pays ne fonctionne pas dans les faits, le fédéral, le provincial. On va commencer par essayer de s'arranger un peu mieux avant de faire cette révolution-là. Le gouvernement avait promis de mettre une proportionnelle. Une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont mis ça de côté. Il n'y a pas un gouvernement, une fois que tu prends le pouvoir, qui va. Et c'est pour ça qu'on est désabusé de M. Legault en grande partie, lui et moi, parce qu'il nous a fait plusieurs belles promesses. Moi, j'ai été tous les combats pour lui, je fais plein de bénévolat, et je me rends compte que c'était des vœux pieux, et qu'une fois au pouvoir, les actions ne sont pas là. Les babines ne suivent pas les paroles. Je ne me souviens plus c'est quoi l'expression mais consacrée. C'est ça. Les babines ne suivent pas les bottines. Les bottines ne suivent pas les babines. Excusez-moi, bon, voilà. Ouais. C'est du latin. Il faut juste regarder les deux positions qu'ils ont prises à l'automne. La hausse de 30% de 30 000 piastres aux députés. Puis le 8 millions qu'on vient de donner aux Kings de Los Angeles. Moi, je dis, là, soit qu'on est baveux,
puis on veut provoquer la population, ou on est innocent puis on n'a pas de vision. Moi, je pense que la deuxième... La deuxième, sont arrogants, mais sauf qu'à un moment donné, déconnectés. Hey, tu sais que les Canadiens disent après... Il aurait été gratis, nous, pourquoi vous donnez 5-7 millions? Mais c'est des bavures. Non, mais il aurait été gratis, mais ils sont sûrs que les gens de Québec veulent... Non, mais ils ont déjà été joués à Québec, puis... À cause du troisième lien, ils se sont dit, ah, le troisième lien, on perd des plumes, on va leur donner une coupe de bonbons, gang, les gens de la ville de Québec. Mais il y a une chose qui est... En passant un tramway, c'est complètement ridicule. Mais on fera ça un autre coup. Mais il y a une chose qui est commune, par exemple, à tous ces politiciens-là, c'est qu'ils regardent les sondages. Puis, M. Legault... Écoute, il se fait dépasser par Paul Saint-Pierre Plamondon dans l'estime du public. Puis dans ce temps-là, ben, il recule. Bip, 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 puis il recule. Puis j'ai hâte de voir comment il va réagir. Mais le problème, c'est que Plamondon, il y a une option. C'est l'indépendant. C'est ça. Puis c'est il n'y a pas plus d'un sondage. C'est son boulet. Mais moi, fait qu'à partir de là, il se va... est en train de monter. Non, ça, lui, c'est un ancien... En Alberta, au Québec, est en train de monter. Encore indépendantiste? Moyennement. La souveraineté, c'est nécessaire, mais pas nécessairement la souveraineté. Oh là là! On va se quitter là-dessus. On va laisser partir pour Dubaï et toi pour le Nord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va se reprendre, c'est sûr. Excellent.